autre part, voilà, tu as pu faire quelques contacts. Attends, non, négatif. Donc là, je suis en pleine réinstallation là de mon PC. J'ai les mains dedans. Tout à l'heure, je pars au Pro Hachi. Il y a une autre station aussi là derrière là qui a répondu. Attends deux secondes, Nico. Retour sur la station là qui est plus loin là derrière. Oui, c'est peut-être moi. Hein. Je vais vous laisser moi aussi parce que je vais arriver dans le village. Les 73 de Michel Mouville. Sauveteur de Guyenne. Ok, d'accord. Ouais, là, je fais juste. Là, j'ai entendu des appels. Je suis sorti là de là où j'étais pour vite courir au poste. Ok, Michel, les 73 à toi. Ben, à plus tard. Pour ma part, là, j'embauche à 19h. Là, j'ai pas mal de trucs à faire là en attendant. Là, je fais vite. Retour à toi, Nico, les 73, Michel, à la prochaine. Retour à toi, Nico, pour voir si t'as entendu Michel. 73, Michel, lorsque j'entends très très loin, très petit, voilà, pas compréhensible malheureusement de mon côté. Je ne sais pas de quel côté il se situe là, mais ça vient peut-être de l'emplacement de mon antenne, hein, tout simplement. Voilà, ben les 73 quand même. Et oui, Rémi, si j'ai bien compris, là, tu n'as pas beaucoup de temps, c'est ça? Ouais, attends, Nico. Ouais, Michel est sur Michel, Nico est sur Libourne. Il t'entend, mais c'est très 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 QRP. Hein. Apparemment, toi, tu n'entends pas. Les 73, Michel, merci là, pour le signalement là sur le 19. Hein. Là, pouvoir lancer l'appel. Oui, Nico, je suis en train de sur mon PC là de refaire là mon installation Linux. Là j'en ai installé là un tout nouveau, tout neuf, Hachi. Et là je suis en train de remettre là tous les programmes que j'utilisais là sur sur l'ancienne version. Et là tout à l'heure j'embauche là à 19h. Demain soir pareil, donc demain soir je pourrais pas non plus faire le QSO là du canal 32. Ok, tu es seul à 100%, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai que bah là, c'est pris un petit peu partout, et puis il y a le pro, effectivement. Hein. ça prend du temps, mine de rien. Ok. Donc, je suis revenu là en France il y a une semaine et demie, deux semaines. Oui, tu étais au courant hein, que j'étais parti sur la division 109, la Hongrie, là. Là-bas, j'avais pu faire quelques petits contacts la première semaine, hein, et puis ensuite, comme ici, propague absente, totalement absente, et puis les locaux qui étaient à la sieste, Hachi 3 coups. D'accord, attends deux secondes. Ouais, là, je suis en train de faire une petite vidéo là par la même occasion. D'accord, ok. J'aimerais bien là, qu'on en discute là un peu plus longuement, mais là, faut vraiment que je fasse vite. Hein. Là, je suis désolé. Déjà, j'ai répondu aux appels, ce qui est déjà pas mal. Hachi, c'est la moindre des choses. Hein. Quand quelqu'un s'appelle, il faut répondre. Je balance ça comme ça à l'arrache. Hachi, pour mettre une petite pointe d'humour par rapport à ceux qui tous les jours entendent des appels. Mais bon, ils se sentent pas concernés, sauf quand il y a quelque chose sur la route et que ça tombe sur leur trajet. Là, ah tiens, là d'un seul coup, tout le monde prend le micro. Hachi, ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Ouais, ben là, tu vois, en parlant d'être sur la route, je module plus trop dans la voiture parce que depuis que j'ai installé, comment ça s'appelle là, une petite chaussette en caoutchouc, tu sais, pour protéger la carrosserie, c'est son utilité première. Mon plan de masse est devenu très mauvais, ça me fait grimper le ROS à un niveau intersidéral, Hachi 3 coups, et donc il va falloir que je trouve un petit plan de masse magnétique, tu sais, c'est une feuille magnétique avec un petit collier qui vient se mettre entre la base magnétique, encore une fois, et la PL de l'antenne. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà, pour récupérer ce plan de masse, parce que là, c'est un peu catastrophique. Oui, tout à fait. J'ai oublié le nom là.
C'est... Oh zut ah bah chérie, non ça ne me reviendra pas. Mais cet accessoire est présenté justement là sur le forum. Ça doit être dans la rubrique accessoires antenne de mémoire. Ouais c'est ça, oui. Bah oui, quel con. Ce truc est dans la rubrique accessoires antenne. Ça a une forme rectangulaire magnétique. Voilà, plus là cette tresse qui va à la base de l'antenne. Ouais, je vois très bien ce que c'est. Ouais. Par contre, là, je sais plus si c'est sur eBay ou je sais plus là qu'on arrive à trouver ça. Je me souviens plus. Quoi. Enfin bon, bref, de toute façon, tu as ça sur le forum. Il n'y a pas de problème. Si tu as encore un peu de temps, je te propose qu'on bascule à 195-195 en Foxtrot Mike. Tu veux faire un essai, c'est ça? Ok, alors rapide, parce que là c'est vrai qu'après la phare que je cuirte. Ah oui, je vois l'heure qui tourne. Ouais, ok, on fait l'essai, pas de problème. Ok, voilà, j'y suis. Ah ok, super. La réception beaucoup plus claquante et très agréable en FM plutôt qu'en AM. Voilà. Comme quoi, ça varie hein, selon les positions, selon la façon dont on fait la radio. Bon, maintenant, en FM, c'est mieux de mon côté, du tien, je ne sais pas, tu vas me dire. Eh bien là, je suis toujours là en train de faire là, cette petite vidéo. Putain, bah, chiant t'as envoyé là sur Facebook. Là, je suis à 6 minutes 40. je crois que je vais plutôt la mettre sur YouTube, puis partage après. Bah, de mon côté, c'est l'inverse. Tu vois là, c'est plus dégradé. En AM, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus propre. Comme quoi, tu vois, d'un côté ou de l'autre, suivant les circonstances, c'est pas un qui est obligatoirement meilleur que l'autre, comme certains le laissent entendre. C'est suivant le moment, ça va être soit d'un côté, soit d'un mode, soit de l'autre mode. C'est tu pourras voir ça dans la vidéo. Ouais, je la mettrai peut-être un peu. Pas la seconde. Hachi, je fais au mieux pour la mettre en ligne. Au plus rapide, je veux dire. Hachi 3 coups, voilà, comme quoi d'une station à l'autre, tout peut varier. Voilà, il n'y a pas de vérité pure. Ça dépend vraiment de l'environnement et de la position et du matériel, quoi. Il n'y a pas de règle fixe. Hachi, bon, de mon côté, c'était plus agréable en FM, hein. Écoute, ça m'a fait bien plaisir de te croiser, même si c'était rapide, sur le 185, la canal 19. J'essaye d'interpeller un peu de monde, là, tous les jours, un petit peu l'après-midi. Je pense que c'est pas les bonnes heures, là, pour trouver du monde. Il me semble que c'est plutôt le matin, tu me confirmeras. Et puis, oui, c'est cool, pas de souci pour la vidéo, hein, petite vidéo, ça fait toujours plaisir, hein. Et on regardera ça un peu plus tard dans la journée, du coup. Ok, tout à l'heure, hein, y avait du monde, hein, puisque... Ben oui, juste avant là que je balance la petite vidéo tout à l'heure là sur Facebook, ça passait un peu plus fort. Je pense qu'ils ont dû passer là sur la départementale Castillon-Libourne. Puis après, au moment où j'ai filmé, ils devaient être certainement sur la voie rapide direction Bordeaux de ce côté-là, quoi. Le matin, oui, sur le 19, tu as Christophe. Tu as qui est sur Facebook hein, également, qui est sur le groupe également. Tu as la belette. Christophe, d'après le message que j'ai vu, il est du côté des Landes, là, je crois, là, en ce moment. Tu as la belette. Entre Bordeaux et toi, là, sur Saint-Loubès, de ce côté-là, tu as. Ah, j'ai oublié son prénom. Qui poste en ce moment là assez souvent là sur Facebook. Il fait de la musique en même temps. Oh, j'ai oublié son prénom. T'as quelqu'un aussi de ce côté-là qui est pas mal sur le 19. Il a fait une vidéo justement là où il y a la forte propague là avant-hier.
là, justement là où il montrait le monde là qu'il a entendu de son côté là sur le 19. Tu as y en a un que j'entends plus trop en ce moment, c'est Fusible. Il y a Excalibur aussi. Il y a il y a des collègues aussi à la Belette là qui se sont mis en fréquence. Qui sont de temps en temps sur le 19, autrement je les ai entendus sur le 5, oui je crois que c'est ça, si je me souviens bien, peut-être ça fait un moment que je suis pas descendu, ça fait quelques mois que je suis pas descendu là sur Bordeaux là. C'est autrement, oui bah si, tous les matins tu as les stations du département 47. Soit ils sont sur le 19 où ils naviguent un peu, où ils font QSY, hein. Soit en AM ou pas mal en FM aussi. D'accord. Eh ben effectivement, on se croise en fait, hein, parce que jusqu'ici je les ai ratés. Dommage pour moi. Je suis pas là aux bonnes heures, en plus je suis pas vraiment à l'estour. Je suis plutôt actif, fin de matinée jusqu'au soir, le soir tard. Et bon, faudra que je fasse un petit effort là pour essayer de copier du monde sur le 19 le matin. Ça pourrait être bien sympathique, quoi, à condition que je leur parle bien et puis qu'ils m'arrivent jusqu'ici. Ça devrait le faire, je pense. D'accord. Et bien, hier, ensuite, là, je vais te laisser filer. Hier, là, j'ai eu le plaisir de copier, comment s'appelle Isabelle, Kilomaïque 3309, il me semble. Très sympathique. Elle était en mobile vers La Réelle, ouais, dans ces eaux-là. Et bon, ensuite, on s'est perdu, là, ça devenait un peu compliqué. Mais c'était très sympathique. Voilà, on était sur 435, il me semble. Ok, d'accord. Et en plus, j'oublie, il y en a un qui va se revenir me taper sur les doigts. C'est le soir, le canal 30 en FM, là, vers les environs de 18h30. Oui, je lui ai déjà parlé. Ben justement, tiens, la fois que je lui ai parlé, j'étais pas très loin du pro, en train d'attendre un peu là sur le bord de la route. Et je venais de basculer sur le canal 30, j'avais accroché justement les stations là qui a du côté des Landes de ce côté-là. Là, ce jour-là, ça passait. Hein. Si la propague n'était pas au niveau des X, au niveau local, elle était là. Hein. Et c'est comme ça que je l'ai eu en fréquence. Ouais, je suis en train de voir l'heure, 15h25, là, faut vraiment que j'y aille. Les 73 à toi, on prendra ce QSO là une autre fois. Merci, à plus. Ça m'a fait bien plaisir. 73-51 lundi, c'était Nicolas 14 Kilomaïque 33-08, et du coup qui ira voir un peu ce soir sur le 305 FM un peu ce qui s'y passe. Voilà, allez, la bonne journée, à plus tard en fréquence, bye bye. Ouais, alors pour le petit truc pour la modulation là en FM, alors la modulation est plus claire en AM. Par contre, elle est plus percutante en FM. Alors, ce qui fait que ça écrète un petit peu, quoi. Voilà exactement là ce que je cherchais à dire tout à l'heure. Voilà, les 73 à toi et bon QSO. Merci. Ok, super. Merci là, pour le petit report, l'explication. C'est toujours intéressant. Ben, je regarderai ce que ça donne aussi dans la vidéo. Je te remercie encore. La bonne après-midi et à plus tard en fréquence. Salut. Ok, merci. Oui. Ben là, je vais vite m'en occuper là de suite. Je vais mettre ça encodé et mettre ça en téléchargement là sur YouTube pour partager ensuite. Et pendant que ça va se faire, moi je vais faire autre chose là de mon côté. Pas de problème. Faut que j'aille préparer mes affaires pour tout te dire. Le poste, vu que l'YL avait pris mon véhicule avant-hier, aujourd'hui là j'ai pas encore eu le temps de le remettre dans le push. Donc là tu verras, c'est encore avec le Lincoln 2 Plus là que je suis là en train de qui est branché encore au QRA. Je sais même pas si j'aurai le temps de le remettre dans le push tout à l'heure. Ah chi. J'ai qu'à arrêter de prendre le temps de faire les choses. Allez, merci à toi, 73-51, bon QSO, 212 au QRA, et à la prochaine. Ah, j'ai trois coups, les bons chiffres retournés. Salut.